Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a reçu hier Désiré Kadré Ouédraogo, président de la commission de l'organisation sous-régionale. Il est venu recueillir des instructions avant l'ouverture vendredi à Yamoussoukro du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et puis, sachez que la première comparution de Charles Blé Goudé devant un juge de la CPI aura lieu le jeudi prochain. Au cours de cette audience, le juge vérifiera l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Il sera également informé des charges retenues à son encontre. En bref, un atelier régional pour une initiative conjointe transfrontalière s'ouvre ce matin à Abidjan. Thème à l'ordre du jour, la lutte contre les armes légères et de petit calibre aux frontières, le marquage, le traçage des armes et la synergie interagence. Et puis le conseil du Café Cacao fait le bilan de ses activités et c'est au cours d'un petit déjeuner de presse ce matin au plateau. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafua Coulibaly, a révélé hier la suspension du droit unique de sortie, DUS, sur l'exportation du karité. Un DUS de 50 francs CFA, le kilogramme, avait été instauré sur l'exportation du karité, a-t-il rappelé. C'était à l'ouverture de la 7e conférence mondiale sur le karité qui se tient du lundi au mercredi à Abidjan. Épidémie d'Ebola en Guinée, la Côte d'Ivoire en alerte. Les autorités sanitaires ont pris des dispositions urgentes pour mettre les populations à l'abri du redoutable virus qui a fait 60 morts en Guinée. 6 mesures urgentes au total, nous dit Fatou Fofana. Le virus Ebola est-il aux portes de la Côte d'Ivoire? La question revêt un caractère particulièrement important et est traitée comme telle par les autorités sanitaires du pays. Depuis hier dimanche, des réunions d'urgence se tiennent au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il en résulte un dispositif sécuritaire et sanitaire important, notamment au niveau des frontières avec la Guinée-Conakry, où une épidémie a fait une soixantaine de morts depuis le début du mois de février. D'abord, le renforcement de la surveillance épidémiologique dans tout le pays, surtout dans la région ouest. Deux, le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières terrestres et aéroportuaires. 3. Le renforcement de la vigilance dans les services des urgences, des hôpitaux publics et au niveau des établissements sanitaires privés. 4. L'organisation de la prise en charge des cas. 5. La création d'un poste avancé de coordination à l'ouest. 6. L'organisation de campagnes de sensibilisation. Certaines de ces mesures sont déjà appliquées, dont le suivi des populations aux différentes frontières terrestres et aéroports. Et les populations elles-mêmes ont un rôle à jouer pour se protéger de la maladie. Il s'agit pour éviter la contamination, d'éviter de chasser les gibiers, les chimpanzés, chauves-souris, gorilles, antilopes, porc-épics, etc. D'éviter la manipulation et la consommation des animaux. Deuxièmement, en cas de suspicion de la maladie se présentant sous forme de fièvre, de maux de tête ou de saignement, prévenir l'agent de santé la localité la plus proche du malade. Informer les familles et les amis du malade. Le malade doit rester chez eux et éviter de se rendre sur le lieu de travail ou à l'école ou à tout lieu de rassemblement. Désinfecter tout objet souillé par les sécrétions du malade avec une solution javelisée. Se laver les mains avec de l'eau et du savon fréquemment et soigneusement. Et enfin, éviter toute manipulation des malades. L'application stricte de ces mesures devrait mettre les populations ivoiriennes à l'abri du virus Ebola. En tout cas, c'est une priorité pour le ministère de la Santé. Et une importante réunion interministérielle se tient ce mardi au ministère de la Santé, au ministère de l'Intérieur sur cette épidémie d'Ebola. Signalons qu'après la Guinée frappée par des cas de fièvre hémorragique, 6 cas suspects d'Ebola ont été détectés lundi au Libéria voisin, dont 5 mortels et un autre cas a été détecté au Canada. Quelques 700 autres partisans du président islamiste Mohamed Morsi, destitués par l'armée, doivent comparaître ce mardi devant un tribunal égyptien qui en a déjà condamné 529 à mort la veille.
Washington va envoyer cette semaine en Ouganda des renforts en hommes et en transport aérien pour participer à la traque du chef de l'armée de résistance du Seigneur, Joseph Kony. Il est recherché par la Cour pénale internationale et les États-Unis. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.